Coucou YouTube, ça fait longtemps que vous m'avez demandé ça, une game à la XM4, et pour finir, à la fin, je vous fais une bête de rotation. La stratégie, c'est la vie. Pensez à commenter, liker et abonnez-vous, ça aide. Bisous. Neuf mecs au spawn. J'ai changé la scène avant de lancer chat ou pas? Il y avait 9 mecs à mon spawn hôpital. Ça fait beaucoup là, non? Il était nul à chier ce mec là. Il me manque 600 balles les gars pour revivre. Et j'arrive pas à les trouver. Il me manque rien de chat. Je l'ai toujours dit. Ah, quand on se retrouve en 1v1 et que t'as pas de cross, c'est un peu plus dur, on dirait. Ce qu'il a pris. Mec, dans ce mode de jeu, je me retrouve avec des gens à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. C'est à vomir. Plus de vie les gars. Ah. Regardez-le. Et vite, t'as du retard mon grand ou quoi? Ultra, préparez-vous les lots. Répondez, leader. Manque, je prends le coup. Un drone arrive sur zone. Ennemi déployé dans la zone des opérations. Comment? Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Je le vois souvent dans mes games, ce mec là, Nesh. Quoi, vous avez jamais changé de place les gars pour foutre un laser à la XM4x3 à un mec dans les airs pour après descendre? What? Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Ouais, Cassos. Merci Meliodas pour les 2 mois, l'Afrique pour les 13 mois. Attends mais... Quoi? À ce stade du jeu, j'ai quasiment sorti tous les stream hackers de la game. Il en reste peut-être un ou deux. Je suis bien.
C'est la XM4, les gars. C'est l'arme la plus forte du jeu actuellement. Au-dessus de la Pharah, au-dessus de tout. Mais je joue pas avec parce que j'ai pas... J'aime pas du tout le feeling avec. Je sais qu'elle est très très bien, mais niveau feeling, c'est des fois, il y a des armes qui te correspondent pas. Mais du coup, c'est une bonne occasion de vous la présenter quand même, tu vois. Cette game, je vais sûrement la win, vu que j'ai cette méta. Voilà, on va vous présenter le truc, les gars. J'aurais dû fermer ma gueule. Quoi ? Quoi ? Mais quoi ? Mais t'es qui toi ? Répondez leader, envoyez la reconnaissance. Un drone arrive sur zone. Il y en a encore 50. Vas-y, je vais le laisser partir les gars, il vient de me sauver. Je vais pas le tuer. Ouais, il vient de me sauver. Ok, je crois qu'il y a des viewers dans cette game, les gars. Vous inquiétez pas, les gars. Show a toutes les solutions pour tous les problèmes. GG ton gameplay bouclier gros, vraiment impressionnant. Tu vas revenir chercher tes armes, tu vas faire quoi? Là ce que je fais les gars, c'est que ma lecture de jeu a vu que le bord de zone ne comprenait pas les bâtiments. Du coup je vais prendre vite la hauteur pour lui sanctionner sa rotation. Même s'il est fantôme et que je sais pas exactement où il est, faut que je lui sanctionne sa rotation. Après, j'ai l'impression. Je me demande si c'est pas le mec qui s'appelle Driz machin là en bas. Le mec que j'avais au spawn et. Il va devoir sortir, les gars. Il a pas le choix. Ça va être une sortie en urgence par ici. Une sortie en urgence par là. Non, Sir, ça va. Voilà comment on sanctionne un mec qui essaie de vous back en jouant avec la zone parce que cet abruti n'a pas regardé la zone, etc. Les gars, toujours une pensée pour les spectateurs, les gars. Répondez, leader. Envoyez la reconnaissance. Un drone arrive sur zone. Je crois qu'il est à la fenêtre de droite. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Waouh. Il avait posé deux bêtises à l'entrée. Ça fait mal, les gars. Thank you.
Tonton, il est revenu. Parfait le move. En fait, dès que tu arrives à ruit le mec, tu sais que tu lui coupes la possibilité de se reshield. Et couper la possibilité de se reshield à quelqu'un, c'est terrible. Ça bloque l'animation, ça fait tout bugger, c'est l'enfer. Il se fera un ban peut-être. Ça ira les gars, vous en faites pas pour lui. C'est une rose qui est cachée dans le bâtiment. Putain, il y a tout qui a déjà été fait les gars. Vous savez que désespérément j'essaie de trouver de la thune pour m'acheter un auto-revive. J'ai pas envie de mourir d'une vieille balle de snipe dans la tête, ça me dégoûterait de ouf. Mais en même temps, je sais pas où trouver 1500 balles, enfin 1000 balles. C'est terrible les gars, c'est terrible. Je vais mourir à 700$ près, je le sens tellement venir. Mais genre vraiment, je le sens tellement venir les gars. Il a grogné. C'est pire que tout. On est à 200$ frais maintenant, les gars. Je vais aller faire scan pound un peu désespérément. Oula. Mauvaise idée. Faut pas traverser maintenant. Oh putain. Le stream hacker. Vous avez vu le gauche-droite? Le bouclier s'est cheaté. C'est trop ça, frérot. Mais c'est bien qu'on soit tombé contre des joueurs boucliers. Ça vous montre que c'est une méta qui est très facilement destructible. Du fait que le hipfire passe extrêmement bien sur le boubou. Je vais conduire. T'inquiète même pas. J'arrive. Tu vas pas t'enfuir quand même. Tu vas pas t'enfuir frérot. T'es venu me chercher en klaxonnant comme un tabanard. Alors, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas assumé de me rush? Je crois qu'il y a un rat juste derrière le mur. Que la fleur c'était un C4, putain ça va plus dans ma tête.
Comme vous pouvez le voir. Il y a un mec à gauche. Il y a deux mecs à droite qui me cutent la rota. Je vais partir large sur la gauche pour essayer de reprendre mes classes. Et de la jouer bien. Putain. N'empêche, enfin vous avez eu un gameplay XM4. Hein. Il y a un peu de recul en vrai. Lol. Je le compense pas mal le recul. Pour vous montrer un peu le recul qu'il y a normalement, c'est ça. Et quand je spray, bah, ça donne ça pareil. Tu vois. C'est Et ça par exemple je l'ai appris sur PUBG à contrôler le recul comme ça. Avant je savais même pas que c'était possible de jouer avec un tel recul. Bon allez. Fin de game chat. Un à droite, sûrement deux à gauche. T'as pas le niveau frérot. Le timing. J'avais plus de plaque, pas de masque. Il fallait que je fasse le move. Show être le meilleur joueur. Show le meilleur. Merci. Abonnez-vous. Merci Nova. Abonnez-vous. Putain de sage parole play. Même si tu manoques, espèce de bâtard. C'est pas moi. Je suis vraiment désolé mec. C'est BZH, je suis désolé gros. Oh putain. C'est pas moi, j'avais 40 000 balles et tu m'as tué en l'air. Ce que t'as pris. Allez, bisous les mecs. Science de déplacement insane. La rota de folie les gars. Vous avez vu comment il était perdu à la fin? Il attendait juste derrière la ridge. Et non mec, j'étais déjà parti gros dans le gaz. J'ai fait la rota gaz frérot. La rota des baisers.